Je voulais juste demander que le syndicat apporte qu'on s'affiche sur la marche, sur cette marche du 1er mai cette année. Le syndicat, il a été pour beaucoup dans la création de la radio, mais je crois que ça va être la première fois qu'on demande officiellement à l'organisation de venir manifester et d'apparaître dans la marche en tant que telle. Depuis quelques... Je peux parler du syndicat de la radio depuis le départ, puisque chacun d'entre nous on connaît d'où c'est qu'on vient. La radio depuis l'année dernière déjà traverse des périodes une période troublée. Alors cette période-là, pour dire ce qui la différencie des autres périodes qu'on a traversées au cours de ces 30 dernières années, c'est que ce sont nos gens à nous. Ce sont nos gens à nous qui font ça aujourd'hui. La période où c'est qu'on a eu une coupe du budget aux contenances des collectivités, elle s'était déjà produite en 2004. Mais en 2004, c'était Gomez qui arrivait à la province sud. Et Gomez, quand il est arrivé à la province sud, il a, pour des raisons politiques qui sont propres à Calédonie ensemble, on décidait à ce moment-là de couper la partie financière qui venait de la province, la direction de la radio et de RB. Et on a traversé 2004-2009, toute la période là, avec une partie de nos financements qui a été amputée. Mais la charge de travail, elle n'a pas baissé pour autant. Par contre, le coup qu'on a pris dans les reins, il a été d'une violence. C'est la même chose qui se produit là. C'est la même chose qui se produit là, mais cette fois-ci, ce sont nos copains du Nord qui le font. Les frangins à nous, alors, ceux avec qui on a... Je vous le disais tout à l'heure, ceux avec qui on a fait 84, ceux avec qui on a fait la... Quand Jean-Marie il a fait la poignée de main avec la fleur à la sortie de 88, il n'y avait pas un média à côté de nos dirigeants pour porter la parole qui venait du monde canac à part nous. À ce moment-là, la radio elle était toute petite. Derrière, à cette même période, je dis ça à ceux qui vont nous écouter, on a fait les tests, là, car ce syndicat nous aura permis de diffuser le meeting. C'était notre façon, ça va être la première fois qu'on le fait. Il ne faut pas qu'il y ait un média qui fait ça ici. Diffuser un meeting d'une organisation syndicale. C'est la première fois qu'on met ça dans l'espace public aujourd'hui. Il n'y a personne qui le fait. Nous, on l'a fait aujourd'hui. Comment là? Alors, quand les vieux, là, ils sont revenus de 88 et qu'ils ont fait l'accord de Nouméa, pour diffuser la parole canac issue de l'accord avec ses bons et ses contradictions, c'est la radio qui a été aux côtés du vieux, de tous les vieux. Quand on a fait les 30 ans de la radio en 2015, j'ai dit aux maires connaît, si vous écoutez là, le frangin connaît, j'ai dit aujourd'hui, les élus du Nord, pardon l'expression, vous bavez la canne devant tous les annonceurs qui s'affichent à la province là-bas. Mais nous, on est arrivé, c'était les champs de Mimosa. Et aujourd'hui, vous leur cirez les pans.
Aujourd'hui, vous leur tirez les pompes. Vous avez tous, vous avez tous la place au soleil. Salut. Et nous, on n'a pas entendu. Les garanties financières de l'usine du Nord pour accompagner les frangins là-bas. Peu importe, Léo, tout ça, quand ils sont arrivés. La première mandature, Paul, le frangin. C'est pas un frangin, moi, qui est là-haut. Depuis qu'il est là-haut jusqu'à aujourd'hui. Alors, ce qui est étonnant, c'est que depuis tout à l'heure, vous dites qu'il fallait nous convaincre. Vous savez, moi, je suis... Regarde, on parlait de la catégorie de gens qui vont aller, mais qui vont aller malgré, et nous, on fait partie de cette catégorie de gens qui vont aller malgré. Parce que je continue de penser que nous, voilà, ils n'ont pas demandé, ils nous ont rien demandé pour rentrer ici. Ils sont rentrés ici par effraction. Aujourd'hui, vous venez nous dire à nous, vous allez vous inscrire les petits frères, vous déguiser comme des marionnettes, et soyez un peu plus ouverts. C'est vous qui êtes rentrés. On vous a rien demandé. Pardon les frangins, pardon vous là qui allez discuter. Mais même si on perd, on continuera à le dire. Le résultat qui va sortir, même si on perd, on continuera à le dire que ici vous êtes rentrés. Sans notre autorisation. Quel que soit ce que vous faites avec nos pères, vous êtes rentrés ici. Nous, on ne vous a pas autorisé à rentrer. Alors, peut-être qu'on paye le prix de tout ça. Peut-être qu'on paye le prix de tout ça, mais on n'est pas prêt de... On n'est pas prêt de... On n'est pas prêt de se taire. Alors, on va me dire que... On a dit, depuis quelque temps, on dit les natifs. Et les Canards, entendez que vous êtes dans les natifs. Entendez que vous êtes dans les natifs de ce pays. Entendez. Que vous êtes pris en compte dans les natifs. Mais nous, c'est chez nous aussi. Les autres, ils viennent de quelque part. Ils ont quelque part ailleurs sur la planète. Nous, si on part d'ici, on n'a pas d'ailleurs, nous. Eux, ils ont quelque part. Je suis ici, j'ai décidé de faire un goudron avec toi, mais je viens de là. Tu viens d'où? Qu'est-ce qu'on va raconter? Qu'est-ce qu'on va raconter? Ah, il y a un truc qu'on dit depuis pas longtemps, là. Qu'il faut arrêter de vous revendiquer pour avancer. Moi j'ai demandé il n'y a pas longtemps, si vous avez soldé la dette coloniale, si vous l'avez soldé, avec qui vous l'avez fait? Et qui c'est qui s'est mis à part? Si vous l'avez soldé, si vous l'avez soldé, avec qui vous l'avez fait? Pour qu'on arrête de parler. Un jour, vous êtes rentré ici sans notre autorisation. J'ai eu l'occasion de demander quelque part, si vous avez soldé ça, avec qui vous l'avez fait? Qui sont les dirigeants canadiens qui se sont engagés? Qui sont les dirigeants canadiens qui se sont engagés? Qui ont pris la responsabilité en notre nom de dire, on a soldé. Le contentieux colonial, c'est terminé. Nous, on n'est pas prospère. On n'est pas prêts. Alors là, on a, depuis quelque temps, fait en sorte que l'on aille vous parler. Je ne vais pas vous aller plus en détail dans les difficultés. Il y a des discussions à ce moment-là pour l'instant. Alors, c'est pas peut-être les responsables du syndicat, je pense à côté, puisque peut-être qu'il peut agir de ce côté-là. C'est le président du syndicat. C'est par rapport à l'OPT. Ça fait une grosse partie de notre... Une grosse partie de notre... De notre argent est pompé par les relais qui nous permettent de diffuser, d'arriver aux quatre coins du pays. Sur le projet initial, il nous reste trois endroits qu'on n'a pas touchés. Il y a les frangins dans la Belette. Qu'on n'est pas allé. Il faut qu'on termine la couverture. Il y a l'île de Pain là-bas, qu'on n'est pas allé. Et il y a une partie ici sur Beaumaine par là qu'on doit encore améliorer, mais pour ça, il faut qu'on prenne
sans prendre des relais supplémentaires. Et la difficulté qu'on traverse là nous empêche de nous empêche de poursuivre. Mais ce qui est inquiétant, c'est il y a les turbulences dans lesquelles la radio est en train de passer, mais juste avant nous là, il y a la voix du FLNKS qui a été éteinte juste avant nous. La voix du FLNKS a été éteinte par le bureau politique qui a retiré mandat à la structure qui avait en charge l'apparition du journal. Et bon, on vient tout à l'heure, peut-être on a mis de parler de ça, mais il y a normalement un journal qui va sûrement sortir prochainement, qui porte un autre nom, mais qui va continuer à faire l'information. Alors ce qui est inquiétant, c'est ça. C'est que dans une phase où c'est qu'on a besoin de stabilité, des outils de communication de cette importance-là sont dérangés comme ça. Alors, pourquoi on les dérange comme ça? Vous êtes en train de dire qu'il faut aller faire inscrire les gens là. Mais sinon on n'a pas la force du Dieu, il doit nous revenir de la collectivité Nord. C'est 7 relais dans le Nord et une partie de toute la zone du Nord qui serait mise dans le Nord. Parce qu'on ne pourra pas supporter les frais qui sont générés par l'OPT et la procédure comptable qui est mise en œuvre par l'OPT en ce moment. On ne pourra pas supporter. Donc il y a des contacts entre nous et ERB. Pour faire descendre la pression, mais si les frangins qui avaient des responsabilités, si vous pouvez continuer à agir, votre coup de main sera le bienvenu. Je pense à nous, Sylvain, tout ça, qui doit déjà agir, mais il faut redoubler d'intensité sur le dossier. Voilà pour la radio, et puis merci au syndicat de nous avoir permis de nous exprimer, et moi en particulier au nom de la radio. Voilà, merci. Ah, merci pour simplement parler à cette jeunesse. Nous, on fait partie de la jeunesse.